Defend yourself, défends-toi Atomium. Alors attention, je le précise messieurs dames, c'est la review de l'angoisse pour Atomium. C'est la review du mutisme il surtout. Il est très très difficile de parler, d'expliquer ce qu'est ce jeu tout en y jouant, car c'est un jeu qui demande skill, réactivité, anticipation et surtout, talent. Eh bien, oui, talent aussi et pas mal de vigilance. Oui, 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 ouais. Mais là il faut faire attention à tous les... Alors les feedbacks, comme on dit, sont très nombreux sur le jeu et du coup il faut bien garder l'œil ouvert. Regarde là, par exemple, et en là... bas, regarde... Je savais que t'allais te faire avoir. Putain, mais c'est pas grave, on va recommencer. Donc il s'agit d'une review de Pouf versus The Curse Kitty, le dernier jeu en date du studio Arkido, ils ont fermé leurs portes, hein, mais pas du tout dans la tristesse. Ils avaient fermé parce que voilà, ils estimaient avoir terminé leur projet et partir tous de leur côté pour fonder pour partir vers d'autres horizons. De nouvelles aventures, voilà. Voilà. Alors, vous les connaissez peut-être pour plusieurs jeux. Moi j'ai cité dans le test Nervous Breakdown et Big Bang Mini parce que ce sont deux jeux DS sur lesquels j'ai beaucoup joué. Mais bon voilà, il n'y a pas que ça. Il y a L.I.A. voilà, Wrath of the Death Rabbit, le dernier en date, fait, le dernier jeu d'Arkido. Et là, donc, c'est Arkido avec un autre studio qui s'appelle Neko Entertainment qui, eh bien, on produit ce jeu disponible sur Steam depuis quelques jours. Ça s'appelle donc Pouf. Et tu vas tout nous expliquer pendant que tu joues. Ah non, ça va être très dur. Mais alors, je vais faire au mieux, mais je pense que Monsieur Derive va devoir prendre un petit peu le relais de temps à autre. Alors, c'est un jeu dans lequel on contrôle un petit chien qui a une bistouquette. Hein, voilà, quand il tombe. Hein, comme on dit, on voit la bite. Voilà, ah, là, je peux pas le montrer, on peut pas c'est le pas montrer. Grave. Et croyez-nous, voilà. Et donc, sinon à côté de ça, donc c'est un jeu dans lequel on va devoir lutter contre tout un tas de monstres, mêlant habilement, on va dire, l'aspect tower défense à l'action pure et dure. En fait, c'est plus ou moins une évolution de Bubble Bobble pour ceux qui connaissent, d'un point de vue du gameplay vraiment, avec toujours les mêmes niveaux. Vous n'avez que ce niveau-là, voilà, en fait, changera cette pas. Disposition-là. Mais vous allez pouvoir la faire évoluer en fait au fil de la campagne. Alors là, je vais vous montrer un truc que vous n'avez peut-être pas vu hier si vous étiez là lors du live que l'on a fait sur ce jeu. C'est la zone d'en haut, sauf que ça va être super compliqué d'y aller dans le cas présent. On va voir. Bon, si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Et en fait, donc dans ce jeu, vous avez d'une part une campagne principale à faire. T'as vu, je prends tout, je dis tout et après tu parles. C'est génial, c'est génial. Vas-y, explique. Donc on a des missions à faire en fait dans la campagne solo. C'est ceci. Donc là, tuer 3 All Magicians, blast 15 ennemis using a bomb et keep moving for 15 secondes. Donc là, bon, c'est bon, j'ai tout fait. Sauf la dernière. Et en fait, on va enchaîner comme ça les missions 3 par 3. Ça va être assez compliqué et ça ne servira que de tutoriel en fait pour le vrai jeu, c'est-à-dire le jeu une fois que vous avez tout fait. Voilà. Qui, grosso modo, pour faire simple, est un gros jeu de scoring dans lequel vous allez vouloir inscrire votre voilà, score avec leaderboard. Avec un leaderboard, c'est ça. Alors, tu parles de tuto, le tuto est très très long hein, dans ah, oui, ce cas-là. Oui, c'est assez long. Puisque ouais. vous allez débloquer plein de bonus. Alors au début vous ne pourrez quasiment rien poser, vous devrez simplement vous débrouiller en sautant dessus ou faire une petite crotte, une crotte dorée qui est le truc de base en fait qui permet de ralentir les ennemis. Très oui. pratique cette petite là, crotte. Regarde, hop là, voilà, qui consume quand même un cœur puisque un objet. Il y a un choix stratégique. Soit vous utilisez les objets, un cœur pour vous redonner un cœur de vie, des épées comme ceci pour envoyer à distance, des tourelles parce qu'il y a cet aspect tower defense, ou vous dépensez votre objet pour chier un bon coup. Ouais. Et ralentir les ennemis. Et ça marche super bien, ça a l'air de rien, mais ça marche super bien. Alors là, je vais essayer de faire un truc. Ah, j'ai hésité. Tu l'as vu l'hésitation là. J'ai pas osé y aller parce que je me suis dit, tiens, j'aurais pas le temps. Et en fait, j'avais le temps. C'est très très dur parce que là, comme vous le voyez, on va attendre plein d'ennemis à l'écran. Allez, viens. Heureusement viens. Que le chat nous pond régulièrement un œuf doré. Ouais. C'est le chat aux œufs d'or. Et en fait, on s'aperçoit que Pouf retient prisonnier le chat pour profiter pour le faire de ses chier, voilà. C'est trop pour profiter de ses richesses. C'est assez ignoble, mais ça marche bien. Dès que le chat, par contre, se fait toucher, effleurer, c'est game over, c'est perdu. Oui. Et d'ailleurs, ça va être assez compliqué parce qu'on a l'impression qu'on a de la marge et en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, je vais crever si je pense que tu vas crever. Il y a beaucoup de monde là qui arrive. Allez, vas-y, 15 ennemis à la bombe, 15 ennemis. Oui, ça passe bien. Est-ce que ah, j'en suis toujours loin, pas 13, encore. Hein, 13 sur 15. Alors, comme Atomium vous l'a expliqué tout à l'heure, vous devez réaliser 3 séries d'objectifs par niveau pour passer au suivant. Vous n'êtes pas obligé de les finir. Il y a pas de fin en fait. C'est des vagues qui arriveront à volonté. Le but, c'est de scorer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire aussi qu'il y a, comme vous l'avez vu, il y a un très fort aspect pipi caca dans le jeu, c'est totalement assumé. Oui. Et qui fonctionne bien en plus, ça a l'air de rien, mais ça marche à merveille parce que du coup on se prend au jeu complètement. Et le côté décalé en fait, Jack, qui est mis en scène par le scénario, va vous faire un petit peu sourire. Punaise, je galère! Le tweetbird, Il y en a de partout! Il y a l'œuf, il peut te sauver la mise, l'œuf là-haut.
Voilà. Oh la vache. Alors là, vous voyez, c'est. On avait promis du skill hein, au développeur. On lui avait dit sur Twitter. On a dit, tu verras. D'ailleurs, le développeur, on l'a eu hier en live. Hein, ouais. Il nous a dit qu'il était étonné des scores des gens parce qu'ils arrivaient à faire mieux que lui. Oui. Sur le jeu. Ce qui est quand même pas rien. Vas-y, voilà. Et là, je pense que t'es bon là sur la bombe. Voilà. Et la mission est accomplie. Oh, magnifique. Magnifique quand même. Très beau skill, un niveau très dur, je dis bravo. Oui. Alors on gagnera des random gifts, donc des cadeaux aléatoires à la fin de chaque niveau. Ça pourra être un très bon point, une nouvelle tenue pour le chat, une nouvelle musique, un nouveau fond qui changera comme ça aléatoirement quand vous allez lancer des trucs. Donc tu vas nous parler vite fait de l'arbre de talent. Alors en fait, on peut dire que c'est un arbre de talent, mais c'est un arbre de progression plus généralement. Ouais. En fait ici vous voyez qu'on va, à chaque fois qu'on finit trois missions, pouvoir déverrouiller un truc. Donc par exemple ça peut être le couteau de feu, ça peut être la tourelle électrique, ça peut être une amélioration de votre barre de santé. Une extension donc de la salle, ce que je vais vous montrer juste après. Dès le début vous allez voir, je vais me balader un petit peu, je vais vous expliquer ça. Ensuite donc la bombe, on peut améliorer aussi nos pouvoirs, par exemple les doubles flèches, ou alors ici j'ai eu le triple couteau qui faisait extrêmement mal, ou alors les scies qui font 10% de dégâts en plus, et là ce qu'on va prendre c'est 3% pour le score. Là on voit les objectifs qui sont donnés en haut de l'écran, donc get 18 ennemis on screen, donc c'est avoir 18 ennemis au moins à l'écran, sur ça l'écran. Va être très simple, très facile. Jouer 60 secondes sans se faire blesser, donc ça va être très très dur. Et rester enfin, vivant pendant 2 minutes, je propose qu'on le fasse. Bah on va essayer de le faire en tout cas. C'est jouable. En fait tu vas devoir rester vivant pendant 2 minutes, voilà, sans te faire toucher. Donc c'est là la zone du haut, en fait c'est la zone qui amène les dragons, donc ça c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a vu en live précédemment. À gauche vous avez encore une autre zone en fait, donc là avec des bombes intéressantes dedans, voilà des bombes notamment. Et vous avez donc aussi cette chose là à droite, voilà, que je ne peux pas voir. Pour l'instant c'est fermé. C'est pour le moment bloqué, mais ça sera déverrouillé si j'avance, voilà, un peu plus dans le jeu. Là, alors tu vois qu'on a aussi plein de pouvoirs qui apparaissent toujours au même endroit. Ça c'est un truc important, c'est-à-dire que là, je sais toujours que si je surveille cet endroit-là, il va popper une tourelle avec les flèches. Là, si je regarde ici, il y aura un cœur. Enfin, tu vois, après, tu connais le jeu par cœur. La bombe est là-bas et tu dois organiser tes parcours de façon à pouvoir aller les chercher tout en étant à peu près safe au niveau du chat. Par contre, c'est vrai que plus vous allez débloquer de salles, plus il y aura de monstres et plus ce sera difficile de tout surveiller en même temps. C'est pour ça que l'aspect tower defense est assez très très important. T'es en train de perdre ta voix. Voilà, il faudra les placer, placer vos tourelles au bon endroit. Voilà, donc du coup c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça. Donc on combine un peu les stratégies, là je peux vous donner quelques conseils par exemple. Alors je me suis fait toucher heureusement. Là par exemple un truc tout bête hein, mais la glace, en fait faut pas hésiter à s'en servir dès le début. Parce que tu vois que tu peux bloquer les ennemis et du coup aller chercher d'autres trucs, dont des blocs de glace par exemple. Donc tu vois ça c'est déjà un point. Ensuite pour les tourelles, tu sais qu'ici il va y avoir du passage régulièrement, donc tu peux en mettre attention en bas quelques-unes. Non, c'est bon, je suis large. C'est toi qui m'as fait peur. Là, tu vois, donc on a encore réussi un autre objectif. Il reste plus qu'à être vivant pendant 2 minutes et c'est fini. Tu vois, je t'avais dit c'était donc facile. On va essayer de survivre. Pareil, l'œuf, alors essaye de le claquer. Attends un petit peu. Non, c'est bon, pas besoin. Là, on est large. On est vraiment large au niveau du temps. Je vais quand même essayer de pas crever, ce serait dommage. Là, donc tu vois, tu peux récupérer aussi. Donc t'as une grosse barre de bonus ici qui sera très importante. Puisque c'est, on va dire que c'est la récompense si t'arrives à monter jusque là. La bombe, on va pas s'en servir, on va faire un caca. Là c'est pareil, on va faire un caca. Là on va refaire un caca. Là on va T'es tranquille, un caca. Il te reste 5 secondes pour réussir une mission plutôt facile celle-ci. On va lancer un petit couteau comme ça, tac, voilà, et ce sera bon, histoire ce sera de nickel. Finir. Et attention, victory. Voilà. Deux alors missions réussies. J'ai le choix. Soit je continue à jouer si je me sens très bien parti et que je veux faire un score du feu de dieu inscrit dans le leaderboard. Soit je peux dire bah non c'est bon j'ai fini, tac, voilà j'ai fait mes objectifs, je passe à autre chose. Donc voilà. Là on a gagné un nouveau background, ce que l'on aperçoit en fond. Donc du coup ça sera généré complètement aléatoirement, vous pouvez pas choisir. Et donc du coup bah voilà. Alors, les trois par objectifs. Par contre il y a un truc, c'est que comme vous le voyez, vous êtes obligé de prendre les trois talents pour passer au suivant. C'est pas vraiment un arbre de compétences, c'est vous débloquer tout histoire d'arriver à la fin et de vous faire des parties full objet. Là c'est déjà beaucoup plus chaud, 50 ennemis au couteau, ça c'est un genre de truc qui t'arrache en deux, et le 40 combo, ça va chaud. Faire et t'as mal. Et t'as petit indice, pou, tu t'as qu'à chier, voilà. Voilà, donc je ne pense pas qu'on y arrive pendant cette vidéo, non, et puis de toute façon, non, vous en a montré voilà, suffisamment, vous avez à peu près vu ce qu'était ce jeu. Donc c'est disponible sur Steam, ça coûte vraiment pas cher, puisqu'il me semble que c'est moins de 5€, oui. Si je dis pas de bêtises. Il coûte 6€, je 6 crois, euros. Et actuellement il est en solde, vous l'avez à 4,50, un truc comme ça. 4,50, enfin, c'est ridiculement. Un jeu de scoring, comme on les aime. C'est un peu cher, ouais. Non, c'est franchement bien, très très bon jeu. Et juste un dernier truc, on attend quand même un retour de monsieur Aurélien, regarde, parce que là, pour le coup, il voulait du skill, je pense qu'on lui en a donné. Hein. Il en a eu, mais et bon. Au moment où je dis ça. Et voilà Aurélien, tu peux te foutre de la gueule d'Atomium, c'est aucun problème. Non, c'est il a bien ça. Joué quand même, mais j'attends de voir quand même la fin du jeu. Et qu'on pourra tout débloquer. Oui, là, c'est quasiment fini, de toute façon, voilà. Allez, merci tout le monde, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission, donc Indie Review, sur un nouveau jeu, nouvel univers, nouveau jeu indépendant. Nouveau tout. Voilà. Et merci Arkido pour ce bien beau jeu. Allez, à la prochaine.